Je t'ai vu aussi en article, en entretien, évoquer les cimetières où je crois que tu passes pas mal de temps. Alors, c'est pas pour un rapport nécessairement à la mort, quoique, hein, Non. ça ne me regarde pas, mais évidemment à la typo, parce que c'est aussi un lieu de typo. Et là, ça nous amène ailleurs, c'est-à-dire sur la typo vernaculaire, celle qui n'est pas forcément justement créée par des experts comme toi, y compris historiquement. Et en fait, là, on trouve de la typo peinte sur bois, typiquement en boucherie, gravée sur pierre, peut-être même aussi les plaques d'égout. Enfin, je veux dire, tu ne te limites pas à la typo qui est dans les livres. Non. Alors la forme canonique de la création typographique depuis plusieurs siècles, c'est le caractère plomb. Et c'est cette impression typographique est celle qui est la mieux documentée, la mieux représentée, la mieux diffusée et la mieux enseignée, ce pan-là de la culture typographique. Mais ce n'est pas le seul, et c'est une vision à œillères de la création de signes au sens large. Donc ça, d'une part, moi, ça stimule ma curiosité. Et puis, d'autre part, ce serait difficile de revendiquer ou d'asséner plutôt qu'on baigne dans la typographie au quotidien, c'est-à-dire on se lève le matin, on va dans la rue, on monte sur un véhicule, dans un véhicule, et de se dire que, en fait, non, la forme typographique, elle n'est que livresque. Elle n'est qu'imprimée. Ce serait pas cohérent. Tout cet univers, cet océan de formes typographiques, qui n'est pas forcément effectivement le fait d'une main experte ou consciente, donc vernaculaire, a outre le mérite d'exister, mais a surtout est surtout d'une énorme richesse, d'une énorme diversité. Donc passer du temps dans les cimetières, c'est parce que c'est là qu'est une des sources les plus un vivier de formes typographiques qui sont le fait de graveurs sur pierre, de graveurs lapidaires, certains sont encore en activité aujourd'hui. C'est un métier qui prospère pas nécessairement, mais qui est actif. Ça vaut aussi pour la calligraphie, ça vaut pour la peinture en lettres, et puis ça vaut pour tous ces métiers du physique, les métiers de l'objet, de la tridimensionnalité, qui sont à un moment ou à un autre amenés à créer du signe, créer de la lettre. Donc les enseignistes, les ferronniers. Et cet équilibre, ce mélange de naïveté et de contraintes techniques, de points de charge de rupture du métal ou de la soudure, etc., eh bien, crée aussi des formes hyper, pas dire novatrices, mais originales, fraîches, naïves parfois. Et bien, en fait, tout moi, ça stimule un inconscient visuel, un répertoire de formes qui n'est pas forcément conscient, mais qui infuse comme ça progressivement et qui vient nourrir les créations. Et d'ailleurs, je sais par une amie graphiste à New York que de temps en temps, il y a des experts en typo qui organisent des promenades dans la ville pour retrouver tel caractère ici, tel caractère là. Dans des villes comme Paris aujourd'hui, on organise des workshops style caractère mobile pour redécouvrir le plomb. Et puis finalement, cette typo vernaculaire, elle réémerge beaucoup à la craie aussi. Je pense au menu dans les restaurants. En fait, il y a un retour aussi de cette espèce de cette forme typographique non experte finalement. Bah moi, je pense qu'il n'y a pas de retour parce qu'elle n'a jamais disparu. Ouais. Elle a toujours été là. Peut-être qu'on a tendance à décortiquer le moindre fait urbain et que, à ce titre, le tracé à la craie, avant c'était le graphe et le tag, demain peut-être ce sera à nouveau la peinture en lettres. De bénéficier d'un point de focal, mais je pense que ça a jamais disparu, ça a toujours été là. Alors sur le tableau noir, justement, des menus, on écrit souvent en blanc à la craie. Et ça nous renvoie aussi, encore une fois, à ces questions de perception. On ne lit pas de la même manière des caractères blanc sur fond noir, noir sur fond blanc. Il y a même un créateur de typographie qui avait un petit peu théorisé, je crois, là-dessus. Je ne sais plus si c'est Frutiger ou un autre, mais peu importe. Pardon. Donc en fait, quel est ton point de vue justement sur caractère
Bah, historiquement, noir sur fond blanc dans les livres et blanc, par exemple, sur fond noir tableau. Alors, j'ai pas de point de vue sur le sujet. J'ai pas de point de vue parce que pour moi, c'est pas une, c'est pas quelque chose qui est au niveau de l'opinion personnelle, on va dire. Les choix de design que je vais faire en prenant en compte certains paramètres de lecture seront peut-être, eux, plus subjectifs, mais le paradigme dans lequel tu évolues en tant que designer, lui, il me semble difficilement contestable. Donc, le fait de traiter différemment ou d'intervenir différemment sur une forme typo en fonction du contraste coloré dans lequel ta forme va se trouver, pour moi, c'est pas quelque chose qui est sujet à débat. Il se trouve que les caractères blancs sur fond noir semblent plus gras, plus épais, parce que le blanc, la lumière, va faire une sorte de halo dans cet espace qui autrement est sombre. Et à l'inverse, les lettres noires sur fond blanc vont, bah, donc, à contrario, sembler plus maigres. Donc, ce qu'il faut en retenir, c'est que si tu veux que les deux LR équivalents, ça peut être un des objectifs, mais pas nécessairement, en signalétique, ça peut l'être, si tu veux que les deux LR, les deux formes typo LR équivalentes, bah, il faut les dessiner différemment. Et on revient donc à ces histoires de perception optique, où en fait, une grande partie du métier, ça consiste à jongler avec, in fine, une sorte de checklist, hein, c'est relativement fini, ce genre d'observation optique, à jongler avec une checklist de déformation optique liée à la perception, au contexte, au contraste coloré, et puis à ton répertoire de formes droite, courbe, diagonale, verticale, horizontale, etc. Jongler avec tout ça pour donner une sensation que tout s'assemble bien ensemble, qu'il y a une harmonie, que les caractères sont bien les uns avec les autres et transmettent leur message, sortie de secours, exposition, etc., de la manière la plus efficace possible, sans que le caractère se place entre le lecteur et le message. Alors, ce qui complique le dessin, évidemment, de typographie, c'est les courbes. De ce fait, il y a des outils. J'imagine que tu as travaillé, au moins expérimenté, les fameux pistolets, hein, de différentes tailles, de façon à retrouver la courbe là où elle est. J'imagine que tu travailles encore aujourd'hui avec les courbes de Bézier, de ce mathématicien français qui, pour trouver les courbes parfaites pour des voitures, finalement bénéficie aujourd'hui à quantité de designers. Et ça, ce n'est pas tout neuf, mais la courbe de Bézier, elle est encore tout à fait existante. C'est intéressant de remarquer aussi que la typographie, évidemment, selon les outils, elle va aussi évoluer. Elle va aussi évoluer selon les technologies, les techniques qui émergent. Mmh. Oui. Alors, tu touches un point de vocabulaire qui est intéressant parce que moi, je distingue dessin de caractère et création de caractère. Pour moi, ce ne sont pas exactement les mêmes pratiques. Oui. Le dessin de caractère, c'est effectivement l'acte de dessiner au sens d'un dessinateur technique qui va s'appuyer sur différents outils. J'ai commencé mes études à la toute fin des années 90. Je n'ai pas beaucoup connu les pistolets, les perroquets. Ça ne veut pas dire que je ne m'appuie pas sur d'autres outils. En l'occurrence, c'est plutôt des outils à base de code informatique qui vont permettre de mesurer l'arc de courbure d'une forme, la vitesse, la manière dont une courbe va se connecter correctement à une droite. Et ça, ce n'est pas spécifique au dessin typographique. Les designers produits, designers industriels en volume, connaissent ça beaucoup plus finement que les dessinateurs typo. Donc l'apport de l'outil dans le dessin typographique, il est toujours là, effectivement. Et ça, c'est l'outil qui te permet de pratiquer. L'influence technologique sur les formes typos, c'est autre chose. Ça va être le bain dans lequel ton caractère va se trouver lorsqu'il sera présenté au lecteur. Donc effectivement, entre une technologie extrêmement stable comme l'impression typo, qui n'a quasiment pas bougé en 5 siècles, hein, en tout cas en principe, puis la sérigraphie, l'offset, la photocomposition et l'écran, ou les écrans, parce qu'il y a des écrans à lumière émise, d'autres à lumière projetée, de l'encre électronique, donc il n'y a pas tant d'homogénéité que ça quand on parle d'écran. Tous ces environnements-là vont effectivement avoir une influence parce que chacun, à leur manière, pour une forme donnée,
vont la dériver. Et donc, le job du type designer, du créateur typo, ça va être d'anti-dériver cette forme pour au final faire que ton carré ressemble à un carré et que ton cercle ressemble à un cercle. Parce que la photocomposition va avoir une influence sur la forme typo d'une certaine manière, l'écran va en avoir d'une autre manière, etc. etc. Alors pour continuer, on va dire, à tourner autour du caractère, on connaît la différence entre capital et bas de case, hein, bas de case en bas des cases. C'est pas la même lisibilité et on les utilise pas à même escient. C'est pas la même visibilité non plus. Ni visibilité. Depuis le début, on parle de lisibilité, de confort de lecture, de message, etc. Mais la typo, ce n'est pas que ça. C'est aussi de la visibilité, c'est-à-dire simplement une manifestation d'un signe dans l'espace. Et la richesse typo, c'est aussi de ne pas être uniquement dans un fonctionnalisme de forme canonique de la typo, c'est-à-dire le caractère dans un corps confortable de lecture pour le livre, la presse, le magazine. Ça peut être la lettre qui fait 2 mètres de haut dans l'espace public et qui est faite pour se faire remarquer. Donc ça t'ouvre aussi un champ de possibles très vaste, très expressif, à défaut d'être fonctionnel, mais au moins, il y a le mérite de la visibilité. Là où je veux en venir, c'est que un texte composé en capital et un texte composé en bas de case ne vont pas servir les mêmes objectifs. Il n'y en a aucun des deux qui est intrinsèquement meilleur que l'autre. Par contre, il y en a un des deux qui peut être moins bien que l'autre si on décide de l'utiliser en méconnaissance ou sans objectif précis de but à servir. Typiquement, on revient à la signalétique, parce que c'est un autre domaine intéressant où les enjeux typo sont assez forts. Signer un texte dans l'espace tout en capital va te permettre d'avoir des formes moins imbriquées, moins spécifiques, moins détaillées, plus franches, et donc de trancher dans l'espace et donc d'être plus visible. Un exemple, c'est la capitale romaine lapidaire au fronton des temples sur les colonnes qui était utilisée par les Romains, alors qu'ils disposaient conjointement d'autres alphabets comme des minuscules, des scripts plus envolés, des capitales type ce qu'on appelait rustica. Ils ont choisi d'utiliser un alphabet franc, direct, et ce sont des termes subjectifs, hein, pour marquer des textes au fronton des temples qui sont destinés à être vus avant d'être lus. Il faut imaginer que tout le monde ne lisait pas à l'époque. En signalétique autoroutière en France, on utilise de la capitale. Ce n'est pas un choix harmonisé au niveau européen. La plupart du temps, c'est même plutôt des bas de case, pour le coup. Mais on choisit de signer des directions géographiques qui doivent être vues à 130 km/h à 200-300 mètres de distance sur une autoroute. On décide de les signer avec des capitales parce qu'ils vont être plus visibles. Les bas de case, a fortiori, vont être dans un autre contexte plus lisibles. Mais il n'y a pas de vérité absolue, c'est toujours une vérité contextuelle. C'est toujours un fait contextuel. Ça va être en fonction de la fatigue du lecteur, de la luminosité ambiante, de est-ce que c'est un support à lumière émise ou à lumière projetée. Est-ce que ça va être un écran ou une feuille de papier? Donc là, il n'y a pas une vérité en typographie, il y a des vérités qui se croisent, qui se contredisent. Ça en rend l'enseignement un peu compliqué aussi, parce que la plupart du temps, ma réponse, quand on a une demande de fait incontestable, ma réponse, ça va être « ça dépend ». Ça dépend ce que tu veux faire. Et c'est à la fois la force, le potentiel de la création typo, et puis son côté un peu étourdissant, parce qu'en fait, tu n'as jamais de certitude. Et puis, en t'écoutant, je pense à des cas entre guillemets particuliers.
regroupant tout ça entre art et technique, entre lisibilité, visibilité, touchant aussi au langage. Et je pense là notamment à l'accent sur les capitales, qu'on ait tendance parfois à enlever, ou toi tu préféreras peut-être même juste qu'à mettre un minuscule trait. Il y a ces phrases de typographe, d'utilisateur de typographie, où quand on va dire par exemple le général assassiné, ouais, évidemment, ouais. Si on laisse l'accent ou on enlève l'accent, ça peut être dramatique d'un point de vue informationnel aujourd'hui, à l'époque des fake news d'autant plus. Donc. Ouais, alors moi je ne suis pas le gardien du temple, hein. C'est-à-dire que, effectivement, là on peut parler de règles orthotypographiques, je préfère parler d'usage orthotypographique ou d'habitude, de convention. Il y a des règles en même temps. Hein. Oui, mais c'est pareil, quand tu commences à dire il y a des règles, c'est-à-dire que tu commences à définir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On l'a pas uniquement en orthotypographie, c'est-à-dire dans la manière de composer les signes de ponctuation, les règles d'orthographe. On l'a aussi dans l'orthographe du français. Il y a des débats qui reviennent tous les ans, tous les deux ans avec l'Académie sur la manière correcte d'orthographier tel ou tel mot. Donc, moi, je ne suis pas le gardien du temple dans le sens où j'ai connaissance de certaines de ces règles, certains de ces usages, Ça va jusqu'au vocabulaire, tu vois, faire la distinction entre typographe, typographiste, créateur de caractères. Dans tous ces cas, l'essentiel, c'est de se faire comprendre de son interlocuteur. Donc, effectivement, accentuer les capitales quand il y a un risque d'erreur de sens, assassine ou assassiné, pas la même chose, attaque, attaquer, etc. Bien sûr, là, c'est nécessaire, mais ça ne se discute même pas, puisque là, ça change le sens. L'accent va changer le sens de la phrase, de l'action. Mais à Libération, par exemple, au quotidien Libération, le choix est fait d'accentuer les capitales uniquement si l'absence d'accent crée de la confusion. Avec notamment le caractère que tu as dessiné. Oui, mais c'est une règle intéressante, parce que quand tu y réfléchis, tu te dis, ok, donc on intervient que s'il y a un risque pour le lecteur. Donc accentuer les capitales, a priori, oui, tout le temps. Quand c'est possible. Dans un livre, par exemple, c'est tout le temps possible. Mon patronyme a un accent dans le nom, j'accentue pas tout le temps parce que c'est pas tout le temps possible.